Radio 1, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Salut tout le monde, moi c'est Weda. Aujourd'hui la classe c'est que pour 10 minutes et on va travailler que les abdominaux, la ceinture abdominale et c'est tout. Rappelez-vous que c'est que 10 minutes, d'accord? Ce que vous aurez besoin c'est que de votre tapis ou bien sûr vous pouvez vous installer sur votre serviette et bien sûr on va commencer, d'accord? Allez! Très bien les gars, on va commencer tout de suite. Alors installez-vous sur votre tapis, le dos posé sur le tapis, peu importe où vous mettez la tête, essayez de garder votre portable accessible pour que vous voyez très facilement, d'accord? Allez-y, on va s'installer, vous relâchez le dos au sol et vous relâchez la main, d'accord? La jambe, vous décollez les talons, ça, c'est bon pour vous? Allez, doucement, vous allez essayer de soulever la jambe et doucement vous relâchez. Soulevez la jambe doucement et vous relâchez au sol, complètement. Essayez d'engager les abdos pour monter et relâcher. Très bien. Engagez les abdos pour monter et relâcher. Comment savoir quand vous engagez les abdos? Mettez la main juste ici. Ça ne doit pas creuser. Même quand vous posez et vous levez. Là, vous savez que vous engagez que les abdos. Peu importe, vous levez la jambe ou vous posez, la main ne doit pas rentrer. D'accord? Très, très bien. Continuez. Il nous reste encore quelques répétitions. Doucement, vous levez. Encore deux. Encore un. Doucement et relâchez doucement. Très, très bien. Je vais vous montrer le deuxième exercice. Et puis, on va faire des enchaînements. Ça va être cool. Allez, doucement. Vous levez la jambe le plus haut possible. Bien. Et maintenant, vous allez enfoncer. Vous allez mettre la main en dessous des fesses. Ok. Écrasez vos mains avec la hanche. Si vous voulez, vous pouvez garder légèrement plié ou complètement tendu. Vous descendez la jambe doucement, 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 doucement. Et stop. Et c'est tout. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Si vous voulez aller un peu plus loin, relâchez vos épaules et levez. Très bien. Là, je sens bien mes abdos et je tiens, c'est tout. Bravo. Et quelques secondes encore, 5 secondes. 4, 3, 2, 1, relâchez. Ça, c'était notre deuxième mouvement. Troisième. La main reste au sol. Vous allez essayer de décoller les épaules et vous relâchez. On y va. 1, 2, doucement relâchez. Encore, levez et descendez. Bravo. Vous levez doucement et vous relâchez doucement. La tête et relâchez. Engagez. Lève les épaules et les relâchez doucement. C'est que ce petit mouvement qu'on arrive à faire beaucoup de choses. Engagez beaucoup les abdos, le haut des abdos. Encore. Très bien. Il nous reste encore 3. Encore deux. Encore un. Doucement. Et relâchez. Très bien. Voilà les trois mouvements qu'on vient de faire. On va essayer de faire les enchaînements. Mais le truc, c'est que je vais le faire avec vous. Alors, prêt? On va faire 10 répétitions de chaque. Vous allez essayer de lever les talons. Relâchez vos épaules. 3, 2, 1. On y va. 1, 2. Très bien. Vous pouvez aller plus vite. Vous pouvez aller doucement, le but c'est de faire 10. Très bien, vous touchez le sol et vous remontez. N'oubliez pas, ma main ne doit pas rentrer en dessous. Il me reste que 4 mois. Allez, allez, allez. Hop là. Dernier, dernier. Allez, stop, la main en dessous des fesses. La jambe tendue. Dans 3, dans 2, 1, descendez. Je compte 1 à 10 et je respire, c'est tout. Je peux voir mes abdos, ça tremble un peu. J'espère pour vous aussi. Ah, 3, 2, 1, relâchez, on y va. 1, 2, allez-y. J'écrase mes côtes avec, hop là, je lève doucement. Et j'ai encore 4, 3, 2, dernier, et doucement relâcher. On respire quelques secondes. On va reprendre, les gars. Prêt? 3,
On y va. Relâchez. Il y a 3 rounds comme ça. Il y a 3. Très bien. Allez-y, allez-y. Remarquez que je lève ma jambe et je descends. Je ramène les genoux un petit peu plus et je relâche très très doucement. Continuez. Et je lève et je pose. Très bien. Il me reste encore 4 répétitions moi. Peu importe là où vous êtes, il faut finir les 10, d'accord? Et pose. Doucement, la main en dessous. On lève la jambe et on y va. Hop. Tenez bon. Il n'y a pas de souci même si la tête est au sol. D'accord? Les options, c'est de le faire. D'accord? C'est de rester avec l'entraînement. De rester, de ne pas bouger. Yes. 5 secondes encore. 4, 3, 2, 1. Relâchez. La main. 3, 2, 1. Levez. Allez plus doucement si vous voulez, mais pensez-y de décoller les épaules. Come on. Et on reste 4. 2. Dernier. Oh, ça brûle. Oh. Les mouvements des abdos, c'est très important. Mais il faut bien le faire pour sentir bien ses abdos. Allez, on relâche la main. La dernière. D'accord? Et puis je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. Juste pour vous préparer. Prêt? Dans 3, dans 2, 1, on relève la jambe, la dernière partie. Et descend doucement. Allez-y. Remarquez bien ma jambe. Regardez bien. Très bien. Je soulève un peu plus. Et je relâche. Et oui. Ah, vous me sentez plus maintenant. Doucement. Encore, encore. Ça, c'est très bien pour les personnes qui souffrent du dos, qui n'arrivent pas à faire les abdos avec, avec la tête. Et il me reste 2. Dernier. Et relâchez doucement. La main en dessous. Vous voyez, c'est très facile. 3, 2, 1. Allez-y. Ah oui. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, relâchez. Bravo, la main, 3, 2, 1, levez. Good. Encore, encore. Je soulève mes épaules et je descends. Je soulève mes épaules. Décollez vos épaules. Décollez vos épaules. Come on, come on. Encore. Yes. Allez, gars. Deux derniers. Dernier. Et relâchez doucement. Good job. Très bien. Maintenant, je vais vous demander de vous retourner. Vous allez poser les coudes au sol. Ici. Et les genoux derrière. Relâchez le corps au sol. Très bien. Ça va? Remarquez bien que mes épaules sont en dessous de coudes. Ça, c'est trop loin. Ça, c'est trop près. Good. Juste en dessous. Maintenant, vous allez essayer de décoller seulement les fesses. Et c'est tout. C'est pas du tout ça, d'accord? Ça, on n'engage pas les abdos. Alors, il va falloir reculer un peu et là, on engage les abdos. On reste comme ça, d'accord? On va rester comme ça pendant quelques secondes. Très bien. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, décollez les genoux. Très, très bien. Et c'est 1 minute time challenge. Très, très facile à faire. Si vous êtes fatigué, relâchez le genou. Ne relâchez pas le corps. Relâchez le genou seulement. Remarquez bien que mon dos est tout en droit. Et j'ouvre ma poitrine. Quelques secondes encore, les gars. 15 secondes encore. Très, très bien. 5. 4, 3, 2, 1, et relâchez doucement. Ah, ça fait du bien. Oui, ça va. J'espère que ça va. Allez. Est-ce qu'on peut refaire? Oui, la dernière. Allez, on a un petit bonus pour vous. Petit ça.
les genoux ou les orteils. C'est à vous de choisir. Moi, je reste dans mes genoux. Bien. Le truc, c'est que vous ne sentez pas vos abdos, alors il faut lever un tout petit peu plus haut. Ça, ça. D'accord? Allez. Là, je le sens. Même si mes genoux sont posés, je sens mes abdos. Vous ne voyez pas? Très bien. Là. Je suis forte. Vous êtes forte. Je suis sûre que vous êtes forte. 20 secondes encore. Allez. N'hésite pas. Hein. Tu lèves tes genoux si toi tu veux. Moi, je reste avec les autres. Allez, 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 allez. Tu tiens, tu tiens, tu tiens le bout. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Relâchez doucement. Bien. Relâchez vos mains et relâchez un peu. Très bien. Regardez-moi. Ramenez la main à côté de la poitrine. Et tu lèves doucement. Un peu plus haut si tu veux, comme on a fait en yoga. Voilà. Belle ouverture au niveau des abdos. Voilà les gars, les 10 minutes. Très très facile à faire. Praticable pour tout le monde. Et doucement ramener. Très très bien. Si vous voulez faire plus que ça, allez sur la page du Tetranes, vous allez voir qu'il y a des séances de 30 minutes. D'accord? C'est beaucoup plus que ça. D'accord? Mais si vous voulez, je vais continuer à le faire. Chaque semaine, il y aura une partie de cardio, une partie d'abdos, une partie de yoga et une partie de renforcement musculaire. Ok? Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Radio 1 sur le www.ra.mu.